Est-ce que vous voulez voir mon vrai niveau sur FIFA 23, les gars? J'ai jamais fait de vidéo sur FIFA, parce que je vais me faire insulter, attention. Sale profond, va. Pas du tout. Les gars, j'ai envie d'inventer un concept. Je sais pas si ça a déjà été fait sur YouTube. J'ai fait tomber ma manette, y'a quoi? On va se lancer un défi. Sur cette vidéo FIFA, on va jouer qu'avec un seul joueur. On va essayer de jouer et de marquer avec un seul joueur. Et ce sera Lionel Messi. On va prendre le PSG. Et le but de cette vidéo, c'est de marquer tous les buts qu'avec Lionel Messi. Si je marque avec un autre joueur, le défi est complètement raté. C'est bon pour vous? Du coup, j'espère que ça va vous plaire ce petit concept. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, d'activer la petite cloche des notifications. Et puis c'est parti, on y va. Let's go. Vous allez voir mon vrai niveau sur FIFA. En vrai, je suis bon. Allez, c'est parti. On lance le défi. Ce genre de concept, j'espère que vous allez kiffer en vrai. Oui, on est bien parti. Let's go. On commence bien fort avec Messi, bébé. En vrai, là on commence bien. Le but c'est vraiment de marquer qu'avec Lionel Messi et aussi de gagner le match. Sinon c'est nul. Mais on va... Ne vous inquiétez pas, on va gagner le match. On va bien se donner. Après j'espère qu'il est pas nul nul. Hein. Ah, le geste technique pour éliminer l'adversaire. Oui, la belle incursion là. Oh, attention, Léo Messi. Let's go! Attends, mais je joue contre un bot ou c'est comment là? Bon, pour l'instant, on a doublé de Messi, les gars. On respecte le concept. Ouais, mais y a pas de niveau en face, c'est nul. On va continuer comme ça. Ah ouais, je pense qu'il est vraiment pourri en face par contre. Ouais, je crois qu'il est vraiment pourri. Hein. Ah, il est vraiment pourri, les gars. Mais en attendant, on respecte le concept. Triplé de Messi, ça fait 3-0 en 7 minutes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, les gars, on va pas jouer sur. Je pense qu'il va rage-quitte au bout d'un moment. Et ça joue avec Messi. Ah, la frappe est bien contrée. Le ballon pour Kylian Mbappé. Mais frère, il est nul à chier, c'est pas possible. Il a bu de l'essence, tu sais comment là. C'est un corner bien joué, bien frappé. Ça veut dire que même sur corner, j'ai pas le droit de marquer avec un autre joueur, les gars. Je suis obligatoirement obligé de marquer avec Messi. Sinon, c'est foutu. Renato Sanchez. Bien joué. Ah merde, j'ai tiré trop haut, trop fort. Il accélère même pas. Mais c'est nul s'il n'y a pas de niveau aussi. Ah ça va, il sait faire une passe. Je suis super concentré les mecs, mais j'arrive à parler en même temps. Je sais faire deux choses en même temps, vous en faites pas. On va pas prendre de but. Il vient même pas sur moi. Je peux faire ce que je veux avec. Et ça joue avec Messi. Et il prend le dessus sur je peux faire ce que je veux avec. Dans la surface. Pff, je me fais chier, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave. Phil Foden reçoit le ballon. Oui. Ah, le ballon intéressant. C'est sur le poteau, ça revient. Ah, j'ai le seum. J'ai pris un but. J'ai le seum. Au moins, il a marqué. Alors qu'il est nul à chier, c'est ça le pire. Oh, ça me fout le démon. De transition très rapide vers l'avant, tellement rapide que le ballon va quasiment d'une surface. Neymar. Faut que je trouve Messi là. Ah ouais, mais. Il est hors jeu. Et ça joue avec Messi. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, j'ai le seum. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, désolé les gars. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, les gars. Hein. C'est le moment. Vous abonner. Vous de partager à vos petites soeurs, vos petits frères, vos amis. Avec Kevin De Bruyne. La frappe est contrée. D'après les chiffres, la possession du ballon est. Ça me fait bizarre de jouer sur ma télé. Enfin, c'est pas une télé sur l'écran de mon PC. Parce que de base, je joue sur la télé qui est juste derrière moi là. Je sais pas si vous la voyez dans le cadrage en vrai. Passe par passe, des actions dangereuses. Ah ouais, putain. Le reflet de cette maîtrise du jeu collectif. Gundogan avec Phil Foden. Et ça rejoue encore sur Phil Foden. Je vous le dis, il va pas passer, moi. Je vous le dis, il va pas passer. Le contre de Ramos. Attention. On fait pas de faute. Superbe intervention dans la surface. Allez, on dégage ça. Ouh, elle est belle. Elle est belle la passe. Messi avec le ballon. Oh, la faute. Il y a penalty. Bah les gars, on part sur un petit quadruplé de Messi. Hein, on respecte le concept. On respecte le concept. Est-ce que vous aimez bien le concept pour le moment? Dites-moi en commentaire les gars. Allez, on va tirer à gauche en pleine lucarne. Voilà.
quadruplé, c'est parti, 4-1. Au moins, il y a des buts, il y a de l'action. Et ça, c'est beau. Putain, mais il me fait chier. Hein. Il fait chier. La vie de ma mère, il fait chier. Je crois que je vais jouer plus loin de mon écran, là, parce que j'aime pas jouer aussi près. Ça me nique les yeux. Pour conclure cette séquence, à noter cette première intervention absolument magnifique. Putain, mais faut mettre le pied, là. Eh oui, c'est joué en deux temps. Il va pas passer, moi, je vous le dis. C'est un ballon récupéré, mais la défense est toujours sous la pression. Il fait mal au terrain. Oh, il fait mal au terrain. En bonne position de Bruyne. C'est un truc de ouf. Le terrain, il fait mal aux yeux, je vous jure que c'est vrai. Ça joue avec De Bruyne. Le ballon pour Gundogan. Un bon arrêt du gardien. Les gars, je fais de la merde, je pue la merde. Là, c'est moi qui suis nul. Ah, ça me saoule. Allez, corner, après il siffle la mi-temps là. Je te jure, je vais lui mettre un gros tacle glissé dans ses dents. Voilà, comme ça, c'est terminé. Première mi-temps, quadruplé de Messi, il y a quoi. Je suis désolé, là sur les actions là, j'ai fait de la merde, les gars. J'avoue, vous pouvez mettre en commentaire que là, j'ai fait de la merde. Ok, deuxième mi-temps, les gars. Cette fois-ci, on fait plus de la merde. On se concentre. Et ça joue avec Messi. Ah ouais, voilà. Vas-y, c'est impossible aussi, j'étais en train de rigoler solo, tellement que je jouais trop avec le feu là. Comparé aux autres FIFA, vous trouvez pas qu'il y a une différence sur la vitesse du jeu? Je trouve que c'est super lent, je sais pas vous, moi c'est mon ressenti. Le centre vers Foden. Ah, le bon réflexe là. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, la défense peine à redescendre sur ce contre. Ouais, c'est un pressing efficace. J'ai de la chance. Mais Messi en bonne position. Ouais, super. Y'a faute là, non? Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Ah, mais vas-y, frère, ça me gave. Ils savent pas dribbler, mes joueurs. Je fais de la merde. Putain, c'est un truc de ouf. Merde, putain, tu vois, je fais de la merde. Je suis plus concentré là. En fait, ça me stresse de tourner une vidéo en même temps de jouer à FIFA. J'ai envie d'être tranquille. Hier soir, par exemple, j'ai joué toute la nuit. J'ai gagné presque tous mes matchs. Et je vais pouvoir vous montrer après. Hein, je vous jure que c'est vrai. S'il me rattrape, vous avez le droit de m'insulter. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Olé, tout en technique. Et bien fait, attention à l'occasion. Ah ouais. Bonne. Elle est sortie là. Elle sort pas où? C'est une blague ou quoi? J'arrive même pas à crier tellement que j'ai mal à la gorge. Putain. Ah mais moi j'ai un inconvénient les gars, c'est que je dois marquer que avec Lionel Messi. Lui il peut marquer avec tout le monde. C'est ça son problème. Du coup moi je suis obligatoirement obligé de chercher Messi. Si j'arrive devant le gardien face à face, j'ai pas le droit de tirer. Alors lui je vais le bouger les gars. Je vais mettre un tac. Allez. M'en fous les gars, je m'en fous. Il m'a mis un petit pont là. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Y'a pas faute là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quoi cet arbitre de merde? Ouais, l'intervention vitale. Le dernier quart d'heure. La vie de ma mère, je vais l'avoir. La vie de ma mère, je vais l'avoir. T'es moi, il fait que boum devant en plus. Attends, mais la possession du ballon, on est que pour Manchester City ou c'est comment là? Avec Kevin De Bruyne. Y'a faute là, je suppose, non? C'est un truc de ouf! Ça me rend dingue! Les gars, je suis désolé, insultez-moi dans les commentaires, je vous en supplie. Là, je mérite que des insultes. Je fais de la merde, je suis nul à chier. Je sais pas faire une passe et ça me casse les couilles. T'es un ouf, toi, tu crois que tu vas marquer comme ça? Foufou. Pourquoi il fait sur pause? C'est reparti. Il a fait des changements, moi j'en ai pas besoin. En tous les cas, on gagne. Ouais, ah, pas faute là. Et ça joue avec ah Messi. Merde, je voulais pas pousser mon ballon là. Avec Kevin De Bruyne. Voilà. Le pressing, c'est ça qu'on veut les gars. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Allez, on va le faire partir, j'en ai rien à foutre et on va attendre Messi. Hein. Et ça joue avec Messi. Allez, un petit dernier. J'ai joué au ralenti. Faisons un exploit. Petit jeu court. Alors lui.
Ah, j'avais envie de mettre un gros tacle glissé. Bon, les gars, je m'en fous, on a réussi le concept. Comment vous dire que les gars, quadruplé de Messi, 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes et 37 minutes. Par contre, je vous avoue, je me suis fait bouffer. Et je crois que je monte en division là, je crois que je monte en division 4. Voilà, quand je vous dis j'ai tout gagné hier, c'est la réalité, les mecs. Mais en vrai, je suis content, les gars, on a respecté le concept. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de concept de vidéo où je jouais qu'avec un seul joueur. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu, les petits gars. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des abonnés qui souhaitent m'affronter, venez, les gars, je vous attends. On lance une petite vidéo et puis ça sort sur la chaîne, les gars. On est tous ensemble, ça peut être cool et ça peut être super sympa. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et la notification. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous!